Bon, j'ai emmené une vraie bagnole cette fois. Non mais après avec l'autre X-Max, tu sais, j'ai dit il prend son X-Max à l'autre, on le met au-dessus on branche un vario sur l'autre moteur et on essaie vite. Ah, je savais pas que c'était un brush head. C'est pas grave. J'ai exprès échappé les lipos, j'avais une 2S en une 3, je dis allez, prends une 3S pour le petit. C'est gentil, rentre là, il y a une voiture qui arrive. Ouais, fais gaffe, ouais. Mais tu vois, toi tu roules moins vite, mais t'arrêtes pas de rouler. Nous, chaque fois on est en panne, tu vois. C'est bien de rouler vite. Mais... Bon, j'ai cherché une vraie voiture. J'ai pris une Traxxas. Pas une techno. Moi, j'étais mieux avec un super Rockray, là. J'ai fait deux tours, j'ai le cadran 130 APT. Ah bon? Putain, ouais. Ça, c'est la première fois aussi. Parce que le super Rock. C'est au niveau du croision. Ouais. C'est comme sur. Ouais, un télescope, ouais. Au fond, c'est comme sur Armata. Ouais. Il y a l'axe qui a pété dedans. Putain. Bah, sur une réception de saut ou. Hein ouais, il a déjà des kilomètres ou il est. Bon, ouais, après ça que j'ai voulu un petit peu fort quand même là aussi. Mais je suis en train de réfléchir, je sais pas. C'est vrai que c'est un truc que. Moi j'aime bien bâcher, celui-là c'est pas fait pour. Ah non, non, c'est. Ouais, ouais, c'est spécial. Ouais. Il est bien dans la. Dans la boue. Ouais. Dans la boue et dans la forêt, j'avais bien aimé. Quand c'est dégueu dehors. Tu veux pas salir les autres, tu sors celui-là. De toute façon, comme il est super inaccessible pour le nettoyage, tu le laisses comme il est. Non mais je vais regarder, tu t'es dit qu'il serait intéressé pour le reprendre. Ouais, parce que lui il a le super bajaré de... Ouais, c'est ça. Hop, c'est la moto, c'est la moto. Ouais. Tu vois, il raconte tout ce que c'est pas maniable la sledge. C'est parce qu'ils font des réglages de suspension avec de l'huile de salade, c'est tout. Faut mettre du saindoux dans les diffs, pas l'huile de fitness. Oh, ah joli. Je fais une belle réception. Last minute. Il y a moyen de se croiser, joli en l'air là. Ouais. Oh, mais ça a percuté deux fois, alors essayez d'éviter de me lâcher. Soit. Mais pas en l'air, non? Ouais, ah bah en l'air, si, moi j'ai si. J'étais en l'air, j'ai tapé un Xbox et tout seul. Ah merde, tout de suite. Ouais, mais t'as pas fait en l'air, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh, ça, ouais, faut pas s'emporter sur celui-là parce que je vais m'arrêter juste avant le grillage. Salut, bon après-midi. Allez, t'as sorti le Raptor. Ça y est. En garantie alors, il t'en... Ouais, ouais. Lancer un vario avec la carte de programmation, impossible de rentrer dans le jeu. Ah ouais, c'est funky. Il n'y a plus rien changé. Ouais. Ouais, mais c'est qu'il a grillé quelque chose entre. Ouais. Ils disent que Sledge c'est pas maniable, c'est juste que. Parce qu'il roule avec des huiles de salade dans les diffs, c'est tout. Faut mettre de la vraie huile, là qui bouge pas. 20 millions au centre et 2 millions dehors derrière, frère Tic. Non, non, je rigole. Au centre, c'est la 20 millions d'origine. Et devant, j'ai mis 300 000. 300 000.
Ah, pour qu'il m'allume pas trop de l'avant, tu vois. Bah, du coup, il va où tu veux, là, tu vois, malgré les pneus. Ça, non. T'as vu comme tu peux attendre avant de tourner? Ouais. T'as pu regarder alors? T'as branché l'autre X-Max à l'envers? Ouais, il faut rouler maintenant. Quand il descend du ciel, c'est pas comme le techno, hein. Sans les kilos, le kilo 5 en plus à l'atterrissage, hein. Joli. Bien récupérato. Ouais, j'ai amené une batterie pour son petit, je croyais que c'était un Rustler VXL. Ouais. J'ai amené une 3S, mais enfin il m'a dit non, c'est un NIMH. Super. Si on met la 3S, il va marcher bien, mais pas longtemps. Et les deux, la même. Dumbé Dumber. Tu vois, ça avec le techno, je peux pas faire, ça me casse les noix. Dans le pot de fleurs roses. Sur le sledge. Devant le sledge. T'es en 4 là ou en 6S? Avec le pignon de 12? Ah, ça va bien, hein? Pas besoin de plus. Un peu trop d'élan. Désolé pour la dédicace. Il n'avait pas encore dédicacé. Non, celui-là je crois pas. C'est bon? Il est rebondi. T'es sur les où? Ah, j'ai tapé le poteau. Ah ouais. Oh. J'ai tapé la rampe en wheeling, ça m'a descendu le nez direct. C'est pas mal comme ça le circuit, tu vois. Un simple 8. Je suis tout mi-gaz là, tranquille. Je me suis dit, je prends le techno, tu sais, tranquille, je passe 3 packs dessus d'affilée. 3 minutes. Ouais, c'est ça. 9 minutes 50 la vidéo. Et là, on peut pas dire que j'ai bâché, hein. Ouais, il va très bien le fled. Ouais, oui. J'ai essayé, je l'ai fait virevolter aussi comme le techno, atterri pareil de travers sur les roues, RAS. Ah, ça y est, j'ai déjà rendu l'arbre de nouveau. Bah oui, c'est pour ça que je suis reparti. 9 minutes 50 cette fois le pack. J'ai fait une toupie à plat et j'ai atterri à plat dans l'herbe mais de travers. Et j'avais plus que 3 roues motrices, et la noix avant gauche a éclaté. Ouais, et tu payes ça une fortune. Ah ouais. Mais justement, alors j'étais chez Jérôme là. Donc je lui ai dit tu peux lancer la production, hein, parce que il fait 180 grammes de moins son châssis que le châssis, GPM. Non, que le GPM. Et il coûte moins cher. Et tu sais, 180 grammes de moins sur un poids total de 370. Tu vois? Ouais, salut. Mais j'en compte, t'as quoi comme batterie sinon? Ah mais j'ai encore deux batteries, ah. vu que j'ai pas roulé avec le, ouais. Le super recret, j'ai encore deux batteries pour mettre dedans, mais... Bah alors pourquoi tu pas? J'ai ma route, moi. J'habite pas à 200 mètres. Ouais, je sais. Bah, ça te fait combien de temps, là? Je sais pas, j'ai même pas regardé, je suis là, je viens de Colmar, donc je sais pas, je pense que j'ai au moins 30 minutes, 30-40 minutes. Jusqu'à Colmar. Ouais. Non mais là, je vais à Montbéliard, là.
Oh là là. Voilà, bon, ça c'est voilà, réglé. C'est ça. Oh là là. Distance, oh là là. Ouais, mais je pense que j'ai trouvé le coin. Avec plaisir, ouais. Bah, de toute façon, il faut que je vois aussi quand on se retrouve un de ces quatre au Val d'Argent. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ok. Mais il faut regarder parce qu'il y a Jean, il veut aussi la visite quelqu'un. Tu vois, il râle, il coûte 850 balles, mais voilà. Ouais, bah ouais. Pack après pack, après pack, après pack, après pack. Hein? Pas comme le techno. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Je vais t'avoir, bouge pas! Ouais, mais lui, il encaisse. Ouais, amusez-vous bien, à la prochaine. Je suis sûr que je peux faire le transfert d'une rampe à l'autre. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai envoyé la carreau parce que... Je suis parti en sucette. Ah, et truc, c'est Hervé, je crois, qui a le Erevo avec ses problèmes de batterie. Il a récupéré des batteries, là, c'est bon? Au Val d'Argent. Hervé, tu sais qu'il a un petit, ouais. Il a un granit et un Erevo. Ouais. Mais il s'est fait avoir avec ses batteries, là. Il les a achetés d'occasion, je lui ai dit, mais achète pas des batteries d'occasion. Ben, justement, j'ai récupéré les deux, mais je pense qu'ils allaient s'y brancher. Elles étaient à 0-0. Il y en a une, j'ai pu la remonter, et l'autre, elle chauffait direct. Ah ouais, même moi. Ah ouais. Le problème, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, je préfère ne pas te la donner parce que, tu vois, j'ai réussi à la remonter, mais... La première fois qu'il va la décharger, C'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas envie qu'il lui arrive une couille. Déjà, faut, Mais il a récupéré des batteries entre temps ou pas? Écoute, je sais pas, je l'ai... Ah oui, c'est pas inincassable, voilà. Si? Non. Si. Si, car au foot alors. Ah. Il va bien, hein? Trop fort, trop puissance. T'as mis quoi dedans alors? 1450 kV avec pignon de 15. Ouais. 8. Ouais, ça va juste bien. C'est un petit peu mais moi, je l'ai monté en 1250 pignon de 15 en 8 là. Ouais. Et c'est mieux? Bah, moi j'avais le Castle 1600 avec le 15, mais ça c'était trop. Mais j'ai vu ça. Et là j'ai mis un Spectrum 1250 qui me restait. C'est un 44, ouais. 49 là, parce qu'il pose sur le châssis et il est fixé devant ça. Et tu peux mettre que un pignon de 15, de toute façon je vais pas le donner. Ouais! Je t'attendais! J'ai regardé où tu volais, je me dis hop, je passe en dessous! Transfert! Je te dis, ça passe! À ne pas faire en techno RC, bien sûr! Ah bah, tu peux marcher deux fois! Vas-y, Eddie! Yeah. Quoi, t'as fait ça pour rien? Ouais. Qui le cochonnet? Il faut encore du jus? J'ai encore une 6S sur le siège devant, si tu veux. Le swag qui marche plus. Ouais. Le Raptor, il y a une soudure qui a lâché. Ah merde. J'ai ramené le os. Soudure quoi prise ou? Ouais. T'as Montbéliard maintenant, lui. Ouais. Le fou. Ah oui, mais c'est vrai qu'il... Non, il fait le hockey à Colmar. Joli. Ouais, s'il arrive à travers, elle passe bien. On fera le récap, on mettra que les gamelles. Oui, Heidi. Je vise mal les rampes. Ah, tu n'as pas encore de carrosserie incassable, ah. Elle est commandée, il faut que j'aille chez Jean. Ah, mais ouais, on aurait su. Il m'envoie un colis cette semaine, si on avait su. Je sais pas s'il l'a déjà expédié, du coup, ou pas. Je sais pas, je vais attendre qu'il lui reste là pour le gamin. Ouais. Ça compte. Salut. Ça va? En forme? Ça va? Ouais. Ouf. Quand je t'ai vu à l'envers, j'ai freiné. J'ai juste vu le X-Max au milieu, j'ai pilé. Monsieur, au pire, je fais stop et par-dessus. Ah,
Ah, t'as encore la graisse là? Ah ouais, ça mouline hein. Attention Eddy. J'ai le cul qui gratte. T'as vu cette dédicace en l'air? Ah ouais, juste avec la rouge. Zut. Exhibitionniste. On n'a pas les bretelles. Oh, ça fait trop de frein. Qu'un sable. Oh, si on y arrive. On finit toujours par y arriver. J'ai eu un plop. Je suis passé à côté comme il était en l'air, je me suis dit. C'était un coup à faire frontal en l'air ça. Ah là ça va être chaud pour 3 mètres ouais. Ah la lipo elle est dehors. De la grosse, là, j'ai déjà vu celle-là. Ah, ça, c'est un X-Max. T'arrêtes au milieu de la route. Hein. Ben, parce que je répondais au monsieur, je suis aimable, moi. Et pourquoi tu te mets toujours à poil, toi? Ça, c'est un Traxxas Sledge aussi. Ouais. Ah, bah, je suis en coupure d'ailleurs. Voilà. C'est ah, c'est cool, hein. Combien de maximum kilométrage? Bah là, tu sors, sorti la boîte, il fait un 75-80, après tu peux tous les monter à 100, hein. Mais sans l'air, ça tient à rien. Des modifications dessus ou... Bah là, on a juste amélioré la direction, c'est tout, hein. Parce que le cerveau d'origine, il est un peu lent, tu vois, sur la direction, c'est tout. Incroyable.